appart. Merde. Attends, pendant 20 ans, payer deux fois plus, c'est ça ton plan viable? Attends, on investit dans l'appart. Alors que les 700 euros de loyer, on les jette par la fenêtre. Mais 1200 euros, c'est trop. C'est au-dessus de nos moyens, chérie. Mais dans ton article, t'avais l'air de dire que c'était le cuisinier qui avait sauvé cette fille. Et alors? En fait, si, je me souviens bien de quelque chose, mais... Allez-y. Non, mais laissez tomber, c'est bête. Ah non, allez-y, je vous écoute. La victime fait partie de la famille Canelli. Christopher, c'est un des cousins de Marco Canelli. J'allais pas le laisser mourir là-bas, quand même. Mais il allait pas crever, les filles allaient l'emmener à l'hosto. Ah oui, il aurait fini en tôle. Mais je capte pas, c'est quoi ton problème? La semaine dernière, tu le détestais, tu supportais pas que ce soit mon pote. Je sais pas. Et il m'est rien arrivé à moi, en fait. Ah, si, quand même. Hein. Vous êtes retrouvés au milieu du braquage avec les cris, les coups de feu, tout ça. Bon, ça va, là. Vous allez m'emmerder avec ça toute la journée ou pas? Ouvrez ou on appelle les flics? Bah, il te reste plus qu'à rentrer sur Paris pour retrouver tes potes. Mais je m'en fous des potes! Que je veux, c'est Léon. Un petit peu de courage, hein. Je vais t'aider à faire tes bagages. Et après, si tu veux, on va t'accompagner à la gare. Enfin, je t'accompagne à la gare.